Bonsoir. César Honoré Ngomo est un véritable self-made man. Parti de rien ou du moins parti des petits commerces tels que la vente de l'eau glacée, ce véritable débrouillard qui a littéralement fait ses classes dans la rue, a touché tout ce qu'il voyait. Je fais ce que je vois, disait l'humoriste Jean-Michel Cancaille. C'est un peu le cas pour l'invité de ce soir. Aujourd'hui, patron d'une petite et moyenne entreprise qui fait dans les bâtiments et travaux publics, mais aussi offre des services dans l'énergie électrique, l'informatique, l'ameublement, l'habitat également. César Honoré a pourtant précipité son départ de Yaoundé dans l'espoir de venir se battre, comme qui dirait, ici à Douala au début des années 2000, après avoir presque tout perdu, nous a-t-il dit. Et bien sûr, rien, mais alors, rien ne lui garantissait la vie qu'il a aujourd'hui. À force de tomber et de se relever, César Honoré, désormais, grâce à sa témérité, s'occupe de sa petite famille, non sans encadrer d'autres jeunes. Fait édifiant dans son parcours, il revendique la création du concept très connu aujourd'hui et très populaire du callbox. Il s'agit, vous le savez bien, de la vente du crédit de téléphone par transfert mobile et de l'appel à partir d'une cabine téléphonique ambulante et souvent improvisée. Homme politique et militant du RDPC, à ses heures de politique évidemment, il s'est davantage reconverti dans les actions de sensibilisation afin d'inviter les jeunes à se mobiliser pour un retour à la paix dans notre pays. Au regard du contexte actuel, c'est ainsi qu'il a créé le mouvement J'aime le Cameroun. Avec cette structure, il a réuni plusieurs dizaines de jeunes à Douala et à Yaoundé dans le cadre d'un forum dit d'échange et de partage sur l'amour de la patrie. César Honoré, bonsoir. Bonsoir, M. Dupita. Bonsoir à tous les téléspectateurs de STV. Bonsoir à toute la jeunesse camerounaise. On peut dire un visage impressionnant, hein, si on s'en tient au décor barbu. Non, le décor barbu vient tout simplement du fait que depuis le déclenchement de la crise anglophone, je me sens un peu concerné et c'est une façon à moi de pouvoir compatir à ce qui se passe de ce côté-là. C'est des frères qui en meurent et qui ont changé subitement d'opinion pour des raisons diverses. Donc je me suis dit tant que ça ne s'arrêtera pas, je ne me raserai pas. Donc peut-être je fais les efforts de temps à autre avec mon épouse et les enfants qui n'avaient pas été habitués à ce look-là. Ça fait depuis 15 ans que je suis avec mon épouse et subitement, du jour au lendemain, depuis presque 2 ans déjà, donc c'est le montant tous les jours. Parfois, on arrive à ne pas s'entendre pour ça, mais j'essaie de leur expliquer. C'est une fois de plus l'occasion pour leur expliquer à ma famille, à mes enfants, que cette barbe, elle a un objectif et je pense et je souhaite que cette guerre puisse cesser parce que j'aime le Cameroun. Et chacun de nous devrait apporter sa contribution pour que cela cesse un jour. En tout cas, j'espère que d'ici la prochaine fois qu'on se verra, vous ne l'aurez plus. Autrement dit, que cette crise sera partie. Si tant il est vrai que la condition pour que la barbe s'en aille, c'est que la crise également... C'est mon souhait. C'est malgré. Je n'ai pas été habitué. Alors, on va partager votre expérience ce soir en espérant qu'elle va certainement inspirer plus d'un. Je l'ai dit à l'instant, vous avez quitté Yaoundé dans le désespoir il y a environ 19 ans. Pour venir vous débrouiller, on peut le dire comme ça ici à Douala, au plus fort de la marge de vos affaires, quand cela se passait très bien, vous employiez 200 jeunes. Racontez-nous un peu tout ça dans le temps. Racontez-nous un peu comment tout ça commence. Je veux dire que de la rue, j'ai failli dire enfant de la rue, à chef d'entreprise, entrepreneur et aujourd'hui qui sait peut-être encadreur des jeunes. Je rappelle, vous avez moins de 40 ans. Je ne vais pas donner tous les autres détails. Oui, plus précisément, c'est une longue histoire, c'est un long parcours, mais il est toujours important de pouvoir partager cette expérience-là, parce qu'à un certain moment de la vie, on se dit qu'on est tombé comme, on a poussé comme un champion, non? Il y a toute une histoire, il y a tout un parcours. Je suis né le 16 avril 1980 à Yaoundé.
J'ai eu la chance d'avoir des parents souciés de l'encadrement de leurs enfants. J'ai fait l'internat de Long. Je suis allé à l'internat là de 6 ans, où j'ai passé pratiquement 5 ans. Et je suis remonté à Yaoundé pour continuer mes études primaires. Et ayant à mes côtés mon père et ma mère, et mes frères et sœurs. Et si un jour, nous avions des membres de la famille, des cousins, également voisins, qui pratiquaient une activité, l'activité boucherie. Et bien avant cela, ma maman étant une Bayam Salam, j'ai pas honte de le dire, j'aime toujours à le dire que je suis un peu le fruit de ma mère, parce qu'elle m'a bien moulé. Et venant d'une famille polygame, il faut bien le préciser, j'étais contraint, étant un fils aîné, j'étais contraint de pouvoir montrer l'exemple. C'est-à-dire, dans notre famille, je sais faire la cuisine. C'est-à-dire, quand je dis je sais faire la cuisine, ce n'est pas des omelettes. Hein. je vous fais du sanga, je vous fais du pem sans sel, je vous fais du pistache, je vous fais du légume, le mom. Je fais la cuisine dans toute son entièreté. Et la lessive, je le fais très bien. C'est-à-dire, je l'ai appris de mes parents. Vous me mettez une marmite toute noire, charbon, qui vient d'être mis au feu de bois. Je vous la rends, vous pouvez vous mirer là-dessus. Ça, c'est ce que j'ai appris à faire. Je balayais à peu près une surface de près de 500 mètres, je dirais 1000 mètres carrés de cour. Commune, nous avons, là où nous habituons à étudier. Donc, ça, je sais le faire. Le petit commerce, il me souvient à une époque au marché des Toudis, comme ma maman était Bayam Salam, et quelquefois elle faisait du marché à la crie, c'est-à-dire elle achetait des sacs de, que ce soit les paniers de tomates ou les sacs de, comme c'est la saison de maïs là, et elle pouvait faire venir des dizaines de sacs, et les dames venaient à la crier pour aller rebriser dans des bordures. Également, j'étais un acteur principal qui pour l'aider à encadrer cela, et dans tout le marché des Toudis, je me chargeais à une certaine heure de la journée de collecter toutes ces poubelles et d'aller les vider auprès de du grand bac qui était juste à côté du stade des Toudis. Mais sauf que beaucoup de gens ne comprenaient pas pourquoi est-ce que j'en avais plus l'appétit. Tout simplement parce que quand je les collectais, quelquefois je découvrais que les 50 ou les 100 francs que la dame me payait, moi dans la poubelle, parfois il m'arrivait de trouver 500, 300, absolument. 500 dont je le trouve. Donc, en fait, les métiers de débrouillardise ont leur côté positif. Ont leur côté positif. Donc, je devenais en quelque sorte comme le collecteur, le balayeur du marché des Toudis, bien avoir fait des études dans un cadre, je vais dire entre parenthèses, privilégié, parce qu'à l'époque, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe parent qui mettait son enfant à l'internat. Donc, où j'y ai passé de la CIL au cours moyen 1, oui, si je ne me trompe pas. Voilà un peu le parcours d'enfance. Maintenant, il arrive le moment où les choses deviennent de plus en plus difficiles. Le père a perdu son emploi, le temps de se remettre, de se relancer. Ma maman, très soucieuse de notre devenir, s'est lancée dans le petit commerce. Et moi, étant son bras droit, parce qu'il m'arrivait qu'à l'âge de 9 ans, ma maman me commissionne au village d'aller, avec tout un quart de 14 places, d'aller acheter des paniers de tomates pour venir... les vendre à Étoudi, elle me donnait les consignes à 9 ans. Donc quand j'arrivais au village, c'est un aîné qui me rappelle aujourd'hui, quand tu mets yeux, je dis non, maman a dit il faut faire ci. Donc voilà un peu le parcours de l'homme. Et jusqu'à ce que j'arrive, que ce soit l'eau glacée, les œufs, le pouce, et même les bars, c'est-à-dire je balayais parfois les ouvertures de bar, je ciblais à Étoudi. Donc je venais, je faisais le premier petit ménage avant que tu ouvres, moyennant. Quelque chose, je lavais les assiettes dans des cafétérias, avec tous les cafétérias, je peux vous dire tel. Il y a même encore un aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, quand j'y arrive, quand je veux manger du bon porc rôti là, je fais un tour avec des amis qu'il y a quelques mois, je les disais ici, quand je lavais les assiettes ici, quand les gens venaient manger, je connaissais, il y a les bons et les mauvais clients. Pour moi, les bons clients, c'est ceux qui mangeaient et laissaient les restes. Les mauvais clients, c'est ceux qui mangeaient et laissaient tout. Donc voilà un peu le parcours d'enfance. Et voilà, c'est comme ça que je tombe à la boucherie. À la boucherie, c'était quand même déjà du haut niveau parce que
j'ai véhiculé déjà des énormes quantités d'argent. J'avais quand même une certaine autonomie, bien qu'en vivant toujours avec les parents. Et jusqu'au jour arrive l'échec où je vais décider de partir de Yaoundé. L'échec arrive, c'était en pareille période, je pense au mois de juin, le 28 juin, je ne pense pas, si j'ai bonne souvenance. J'organise, chaque année j'avais pris l'habitude de cela deux ou trois ans en avant, j'organisais les bals en fin d'année. C'est-à-dire le dernier jour de l'examen, à l'époque c'est le BPC qui était le dernier examen, donc j'organisais un bal dansant. Pour les jeunes. Et pour les jeunes. Et ça coïncide avec une annonce qui est faite par un autre groupe qui organise et qui met en plein centre-ville la nuit de la phoque. Et la banderole interpelle toutes les autorités. À l'époque, je pense que le professeur Mendoza était directeur de la CRTV. Il présentait une émission Déviance à la CRTV. Et ça fait un rendez-vous avec les églises qui s'en mêlent. Pour combattre toutes les mauvaises pratiques, les contre-émerces. On ne veut rien entendre. Et moi, je me frottais les doigts, je me disais, voilà, je me fais du beurre, on va fermer cela, et moi, je vais tranquillement mener mon activité. Malheureusement, ce soir-là, la police débarque à Bastos, au club à Cholo, il y avait un petit coin là, et on demande de fermer tout. Et je vois toutes les économies et toutes les stratégies, tout ce que j'avais essayé de planifier dans l'eau. Là, nous sommes dans les années 90-2000, je pense. Et vous imaginez, je ne sais pas où mettre la tête. Tous les engagements que vous avez. Tous les engagements que j'avais pris de gauche à droite, les dettes que j'avais dû emprunter, que j'avais dû engager de gauche à droite. Et c'est ma mère qui me donne ce conseil. Elle me dit, mon fils, il y a une de tes tantes qui est à Douala. Va un peu de ce côté-là, te reposer. Et je pense que tu pourras te changer d'idée. Et c'est comme ça que je décide, et pour y aller, parce que dans des histoires, on raconte toujours des bonnes, mais il y a une victime pour que j'arrive à Douala. Il y a à l'époque un Marocain qui venait nous vendre des chaussures à la boucherie, les Mac James à l'époque. Il m'en donne une paire pour payer après, et c'est cette paire de chaussures que je prends pour revendre. Je pense que je l'avais bazardée à quelque chose comme 30 000, et je me paye le transport pour arriver à Douala. Donc, je fais une victime. Et c'est comme ça que j'atterris à Douala. Je suis accueilli chez la tante en question, Maman Chantal. Et je vais passer la nuit, elle va bien m'accueillir. Et on a aussi un de ses petits oncles, le petit frère, un oncle aussi à moi, qui habite avec elle et qui propose me faire découvrir la ville le lendemain. Nous habitons à la cité Sic, je pense qu'elle habite encore actuellement là. Et nous sortions le matin de la cité Sic, on traversait tout le centre-ville, Bonabéry. Et j'étais très impressionné. Wow. On faisait à pied ou en... À pied. Okay. À pied. Parce que l'argent qui devait nous servir de transport, on marchait, on s'arrêtait quelque part dans un café, on mange. Allez, on continue la marche. Moi, j'étais très curieux parce que à véhicule, ça n'allait pas me permettre de découvrir. Absolument, moi, j'allais vraiment, oui. Je voulais vraiment. C'est la première fois que vous arriviez à Douala. C'est la première fois que j'arrive à Douala. Et c'est comme ça que je décide de partir à Yaoundé faire mes affaires. Et ma mère, je ne l'ai pas toujours oublié, ces paroles-là, me dit, César, je sais que tu aimes ta famille. Et si j'ai des conseils à te donner, vas-y. Si tu as possibilité de continuer tes études, n'hésite pas. Mais tu n'oublieras jamais ta famille. Dieu t'ouvrira les portes. Ça, ce sont les mots de ma femme-mère, père son âme. Donc, et c'est comme ça que je redébarque à Douala, où je vais habiter une maison familiale qui, par après, on aura des petits soucis avec les locataires qui étaient. Et je pars de là pour aller chercher un abri un peu plus loin, parce que je travaillais dans une imprimerie, on me payait 15 000 francs le mois de salaire. En quoi consistait ce travail à l'imprimerie? Oui, chercher la clientèle, c'était un attaché. Une forme de démarche. Oui, oui. Donc j'allais prospecter et... Là où je vais chercher la maison, je rencontre un grand cousin qui me conduit vers maman qui a des dépendances derrière, qui peut bien me louer une chambre avec mon salaire de 15 000. Donc je cherchais une chambre qui avoisinait les 5 000 par là, voire maxi 10 000, sachant que bon, avec le salaire de 15 000, j'aurais des commissions sur des petits marchés, parce qu'il y avait des marchés qui ne passaient pas à l'imprimerie,
dont je pouvais moi-même livrer par derrière, dont je pouvais arrondir les mois avec cela. Et la maman, Mama Bella, elle me reçoit et elle est d'abord très impressionnée. Et de par mon prénom, elle me dit, son dernier fils s'appelle César. Et de par ça, son mari également, et moi je suis de la Lekki, je suis un Vokani. Et son mari est un Vokani. Donc elle décide de ne pas me louer sa maison. Elle m'adopte comme un enfant de la maison, mais elle me donne des conditions. Ça dit chez elle, ça dit, il y a tout un carnet de vie qu'il faut respecter, et je me plie. Également, je suis adopté par tous les enfants de la maison, ceux qui étaient déjà grands, qui travaillaient, qui à Yaoundé ailleurs. Et je développe une complicité avec toute la famille, donc j'étais il y a un enfant de la maison. Donc il n'y a plus de location, mais je suis soumis à certaines disciplines de la maison. Et par là, c'est même également elle qui va me chasser de la maison. C'est-à-dire, je vais essayer d'avoir un peu l'esprit du quartier, des enfants du quartier. On se lève le matin, on finit de faire le ménage. On papote un peu avec les autres, soit on joue les cartes, ou on va bénétarier, on tape les commentaires. Elle n'apprécie pas, elle dit non. Chez elle, c'est pas ça, il faut sortir, il faut aller chercher quelque chose à faire. Et c'est comme ça que nous arrivons dans les causeries. J'avais deux possibilités, soit aller porter, pousser les bagages à l'aéroport, soit chercher, bon, il y a les cartes qu'on vend là, c'est dans les cabines. Il fallait trouver une solution. C'est comme ça que je vais voir... un grand cousin, un frère aîné, M. Njina, qui me fait un prêt de 120 000 après enquête. Parce que quand je mets les enquêtes, je découvre que un paquet de cartes à l'époque Mobilis était vendu à 100 000. Cartes de téléphone. Un paquet de cartes de 5 000 était vendu à. Les opérateurs achetaient chez Mobilis à 117 500. Ils revendaient au grossiste à 120 000. Et nous, les détaillants, on le revendait à 125 000. C'était, je pense, 25 cartes, si je ne me trompe pas. Parce que le total, quand on vendait en détail, nous donnait 125 000. Donc, c'est comme ça que j'entre dans la vente mobile. Et je découvre un marché florissant au niveau de l'entrée. Ça, c'est dans les années 2000. Ouais. Oui. Et en une journée, je bazarde 100, 200 cartes. Et quand vous faites la somme de 300 francs par carte, vous imaginez. Donc, au départ, c'était d'abord, je gagnais 5 000 pour... 25 cartes. Et rapidement, en quelques semaines, je commence à vendre des centaines de cartes. Et là vient également le recrutement des filles. Quand j'atteins le chiffre de 200 employés, c'est tout simplement des clients qui entrent, qui me confient également, qui leur fille, qui leur cousine, qui leur frère, qui ne fait rien à la maison, vient. Et c'est comme ça qu'on commence à occuper toutes les emprises de Bonanjo, les sorties de banque, le port, le guichet unique. C'est comme ça qu'on développe. Et la condition pour vous recruter, il fallait avoir un téléphone portable. L'appel à l'époque coûtait 300 francs. C'est la jeune dame que vous engagez. Oui. Vous engagez. Moi, je commence d'abord à le faire. C'est-à-dire quand, parce que j'avais constaté quelqu'un sortait de la banque ou voulait faire une opération. Il n'a pas 5 000 francs ou 10 000 ou 25 000 pour acheter une carte. Mais il veut passer un appel. Donc, il se servait de mon téléphone. L'appel coûtait 300 francs. Lui me donnait 500 ou 400. Ça dépendait de la tête du client. Et il y avait aussi le parking. Et en même temps, on servait on orientait les gens de l'argent. Donc, quand je te fais garer, je sais qu'en sortant, quand tu viens entrer, soit tu achèteras une carte qui me donnera un bénéfice de 300, soit en partant, tu me donneras une pièce. Donc, en fait, c'était un peu la démarche. Et même en saison pluvieuse, comme c'est la période, on se servait aussi du parapluie pour vous escorter, soit quand tu sors de la voiture ou quand tu reviens de la banque. Donc, c'était un peu tout un business qui s'était organisé tout autour. Et il fallait maintenant avoir un téléphone portable pour travailler avec moi. Et on te positionnait dans une banque où tu avais, point de départ, une petite quantité. Ou alors, on chargeait également ton téléphone avec lequel tu faisais des appels qui permettaient de... Parce qu'en faisant les appels, on avait plus de bénéfices. Donc, c'est comme ça qu'est parti le callbox. Quand je dis, j'ai créé le callbox, c'est pas que je me suis assis et j'ai créé le callbox. Le callbox est né de la vente ambulante. Et le premier opérateur qui essaie un peu de le formaliser, c'est, je pense, Armel Mobile, qui étudie bien l'activité et qui essaie de le formaliser en se spécialisant dans les appels téléphoniques. Donc, quand je parle de callbox, il faudrait que ce soit bien perçu. Donc, en fait, c'est l'idée, oui. Le concept. Donc, le concept est venu de ce que nous faisons dans la vente. Évidemment qu'à l'époque, ça n'existait pas encore. Non, ça n'existait pas. Le callbox est parti du Cameroun pour aller au Kenya, pour aller un peu partout ailleurs. C'est parti du Cameroun. C'est nous les concepteurs. D'où un peu l'environnement et l'encadrement. Je le dis toujours, si j'avais eu un bon environnement, un bon encadrement,
Je pense que les amis et autres, mon entourage m'aurait conseillé de protéger le concept et je pense que c'est un milliardaire aujourd'hui. Protéger à l'OAP avec oui, tout ce que ça aurait pu. Oui, oui. Parce que pendant au moins 5 à 6 ans, j'ai fait partie de l'étude de stratégie des différents opérateurs. Nous étions convoqués pour voir comment est-ce que nous devons basculer de l'autre côté, qu'est-ce qu'on faisait. C'est-à-dire, nous faisons, c'est nous qui étudions la stratégie, c'est avec nous. Donc, bon, nous ne savions pas qu'on nous exploitait d'une certaine façon ou d'une autre. Alors, on en était à la revente des cartes. Oui, donc on parle de la revente des cartes et non, c'était plus florissant. Donc, je faisais des épargnes, je n'ai pas souvent peur de le dire. Le minimum par jour, c'était 20-25 000. Quotidien. 20-25 000 quotidiennes. Donc, vous imaginez, pendant, je l'ai fait au moins pendant 2 ans ou 3 ans, avant de commencer à perdre des parts de marché. Parce que les parts de marché, quand ceux qui étaient mes employés découvraient que ce n'était pas la magie, j'étais tout simplement allé prêter 120 000 francs qui ont été fructifiés et qui me permettaient de pouvoir acheter 500 000 cartes par jour et de les ventiler. Parce que quand je travaillais avec ces filles, quand je vous donnais une carte, vous aviez 150, j'ai 150, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous voyez, pour la taille de la vente, il m'arrivait d'avoir des ventes de 500 cartes par jour, de 1000 cartes, pour l'équivalent de 500, de 5000. Donc, vous imaginez dans les coupons de 10 000, de 25 000, et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'est parti la distribution et le call box au Cameroun. Et je fais partie des pionniers, le promoteur de cette activité-là. Alors ça a été une étape importante dans votre vie, qui conditionne la suite. Très, très importante. Donc, et ça m'a permis de pouvoir... là, j'allais oublier parce qu'il y a une étape également pour fructifier le capital. La marraine chez qui j'habitais, elle me prend, elle va me confier chez sa sœur, c'est sa petite sœur, elle lui dit, voilà un enfant à qui on peut faire confiance. Parce que chez elle, je lui remettais par jour au moins 10 000 francs d'épargne. Au moins 10 000 francs. Et l'activité va subir un coup. Voilà, j'allais oublier cette étape-là. L'activité va subir un coup. À l'époque, Mobilis ne veut plus voir ses cartes vendues dans la rue. Il est donc déclaré une chasse à l'homme. Où on vient vous rafle. Et voilà, vous imaginez si vous avez mis 500 cartes dehors. Et vous avez à peu près 150 filles. Et que la journée, on a raflé une dizaine, une vingtaine. Et imaginez-vous que chaque fille avait 20 cartes. Même celle qu'on n'a pas pris les cartes, elle vient vous dire, voilà, on m'a arrêté, on a arraché. Ah, parce que quand on venait, on vous raflait, ils avaient des cargos, ils venaient, ils faisaient le rafle. Et je vais voir, en un mois, je vais partir d'un capital assez important, presque à rien, jusqu'au jour où... je sors de l'écoute d'un discours du Frévier où le président demande aux jeunes d'oser. Et ce jour, quand j'arrive à Bonanjo, les filles accourent vers moi, comme d'habitude. César, ils sont là, ils sont là. Au lieu de fuir, comme d'habitude, je reste là, je ne bouge pas. Et les deux gendarmes qui étaient... chargé de la mission avec l'équipe qui accompagne cette mission. Il me dit, tu veux faire quoi? Tu veux faire la rébellion? Allez, passe ici. Au lieu d'entrer dans le car, comme d'habitude, j'entre plutôt sous le car. Et je m'étais préparé en amont, c'est-à-dire je mets des cartes de côté, et j'entre sous le car, je dis, ici, je ne bouge pas. Le président de la République a demandé qu'on lutte contre la pauvreté. Et c'est ma part de lutte contre la pauvreté. Je n'irai pas voler. Je n'ai pas volé. En moins d'un mois, je suis à près de perte de près de 5 millions. Je ne peux pas. Je n'ai pas volé. Ça crée donc un embouteillage en Bonadjo, avec des interrogations, sans toutefois vous oublier des péripéties. On était déjà habitué des cellules. Mm-hmm. C'est-à-dire, on venait nous rafler, on vous nous bazarder dans les cellules-là. Tu peux passer un ou deux jours après, ou alors on vous relâche le soir. Des intimidations à n'en point finir. Donc... et jusqu'au jour où je pose cet acte à Bonanjo, et apparemment les autorités, je pense que c'était le gouverneur Gounoukou Aounaï, si je me souviens bien. Et plus tard, le ministre de France. Apparemment, ça a fait large écho. On demande de ne plus nous... Parce que c'était vraiment, quand j'entre sur la voiture, oui, et ça crée un incident. Et voilà, je dis, chaque jour, ils viennent et nous raflent. On n'a pas volé, on ne sait pas d'où partir. Ils prennent les filles, bon, celles qui se plaignaient, à part les abus qui s'en suivaient. Bon, moi, je regardais
le capital. Niveau du capital, ce que moi je perdais. Donc c'est comme ça que on libéralise, on ne nous chasse plus, on ne nous pourchasse plus, et la vente du ambulante prend dans son cours. Ça part de Douala pour Yaoundé, pour les autres villes, et avec ce qui s'ensuit, les callbox. Donc c'est parti de Bonadio. Et là, vous changez d'activité. Je veux dire que cette frustration-là, comment vous reconvertissez? Que faites-vous après? Oui, je continue. Je suis approché par des clients de la banque qui m'observaient, mm-hmm. sans toutefois le savoir. À l'époque, le monsieur travaillait à la Saga, monsieur Thierry Chouente, pour mm-hmm. ne pas le citer. Et c'était un emploi de Saga. Je pense que c'était un transporteur. Bon, lui, il est intéressé par le business. Et un jour, je l'escorte avec au parapluie, comme d'habitude, comme les bureaux n'étaient pas non loin de l'ancien Air Afrique, je pense bien. Et il m'invite comme ça, qu'on en discute le soir. Je finis, j'arrive dans son bureau, je suis un peu blasé par comment une telle personnalité, quelqu'un à l'époque qui voulait... il me propose, il me dit... il me commissionne à l'aéroport. Et il me donne, je pense, c'était 2 millions. D'aller remettre à... Il y avait un kiosque à l'aéroport à l'époque. Il y avait un monsieur là. Il me demande d'aller remettre l'argent au monsieur. Au départ, je me fais dire, mais... J'ai souvent entendu parler de femmes là. Est-ce que c'est... Comment quelqu'un... Votre jour est arrivé. Et je le fais rapidement. Je reviens. Il commence à me faire confiance. Et tout en... Il y avait une question subtile en bas. Comment vous connaissez avant déjà, non? Non, c'était les habitués, c'était les clients de la banque. Ils entraient, ils sortaient, ils entraient, ils sortaient. Et ils me demandent comment se passe l'activité. Je lui explique, je lui dis, mais si j'avais même un capital, je peux même vendre des cartes de 5 millions par jour. Ah bon? Il dit, et c'est comme ça qu'il est intéressé. Donc, à l'amour, je ne savais pas qu'à l'époque, les opérateurs lui proposaient de pouvoir... À l'époque, les opérateurs cherchaient des personnes qui avaient... qui était capitalisé, qui pouvait prendre le relais de la vente. Et donc, c'est comme ça qu'il obtient. Bon, il me met en essai. Donc, avec des amis, là, on se concorde. Par mois, on arrive à faire des ventes de 500 millions, 1 milliard, 2 milliards, et ainsi de suite. Donc, parce que quand c'était comme ça, on recrutait aussi. Donc, c'est comme ça que je pars de la vente ambulante. Je pars de l'informel pour le formel. Parce que lui, il est agréé. Oui, parce que lui, il est agréé. Et pourtant, si j'avais été suivi par ma famille, si j'avais été... Si vous aviez eu le capital nécessaire, vous aurez... Tout simplement parce que chez moi, on avait une autre perception. Beaucoup se disaient j'avais trempé. C'est-à-dire quand j'arrivais à Yaoundé, même quand je donnais... Quand il m'arrivait de donner l'argent à quelqu'un, quand quelqu'un me posait un problème, les gens allaient d'abord prier sur l'argent. On se disait... que depuis qu'il a l'argent, il a rencontré... Oui, c'est sûr, je dis que beaucoup me font le témoignage. Je me dis, mais quand tu me... Parce qu'à l'époque, j'avais vraiment, c'est-à-dire quand tu me posais un problème, pour moi un problème de 10 000 c'est comme si tu me posais un problème de 1 000 francs. Absolument. C'est-à-dire je pouvais facilement le résoudre. Voilà, je mettais la main et les rentrées scolaires, que ce soit les cahiers, les cartables, j'allais distribuer à qui des familles, je n'avais pas automatiquement besoin de te connaître, c'est-à-dire je voulais vraiment partager. Absolument. Mais en retour, ça a créé plutôt des craintes. La méfiance. Mais il a fait quel niveau d'études? Il est même allé où? Il a quel niveau? Comment il est devenu aussi riche? Comment il est devenu aussi riche? En si peu de temps. En si peu de temps. Donc, moi, je et je découvre subtilement que quand je m'engage dans le domaine formel, je travaille avec des partenaires qui étaient capitalisés. Une fois, je démissionne chez un. Et je vais chez l'autre qui me propose presque le double du salaire. Et celui sur qui je démissionne revient me reproposer... Le triple. Et je découvre que ben, derrière ça, il y a du beurre. Donc, c'est comme ça que l'activité de distribution... parce que le premier qui vient m'enlever dans la rue, il me propose un salaire dont quelquefois même les cartes de banque n'ont pas. Avec, on voyait les premiers motos à l'époque, tu démarrais avec la télécommande, tu appuies, la moto démarre. Vraiment. Vous avez non seulement un peu d'argent, en plus de gadgets. Non seulement, oui. Donc, et j'oublie que dans mon informel, quand je totalisais le minimum de 20 000 francs par jour, quand vous tapez sur... Bon, il n'y avait que les dimanches que je ne travaillais pas. Si vous prenez sur 25 jours, vous voyez 20 000 francs, combien est-ce que ça me faisait? Bon, j'étais un peu embarqué dans cette aphobie, parce que j'aurais un bureau, j'aurais une moto, pourtant c'est quelque chose que je pouvais m'acheter... tout bénef. Donc,
En fait, vous avez manqué de la structuration, peut-être des conseils. Oui, il a manqué cette structuration-là. Et c'est comme ça que, après avoir teamé avec les différents partenaires et même les différents opérateurs avec lesquels nous avions longtemps travaillé, je décide de me mettre à mon propre compte dans la distribution. Et voilà. Donc, alors, vous mettre à votre propre compte, ça veut dire que vous acquérez des bâtiments, vous vous installez. Oui. Toujours dans la distribution. Dans la distribution, je commence à vendre et les téléphones, le matériel informatique, tous les dérivés de l'informatique, la téléphonie. Mm-hmm. Je commence à faire des voyages, c'est-à-dire je vais à l'extérieur faire des achats, je viens du livre, je commence à... Donc c'est comme ça que j'essaie un peu de... je sors un peu de l'informel pour le formel. Mais j'ai un regret aujourd'hui, ça je dois peut-être le dire. Je pense que j'étais plus à l'aise dans l'informel. mais l'informel ne fait pas forcément du bien à l'économie nationale. Oui, elle ne fait pas du bien à l'économie nationale. Ça enrichit l'individu, mais ça appauvrit le... Bon, on peut bien le dire, mais ça c'est un avis personnel, hein, parce qu'aujourd'hui, tu as plus de charges, tu n'as plus de marché, tu n'as plus de prestations, c'est-à-dire tout est... Tu es obligé, le mois, c'est ta collaboratrice qui te rappelle que boss, on n'a pas déclaré, on n'a pas fait études, fouille les. C'est contraignant. C'est contraignant. Quand tu passes un, deux mois, tu n'as pas un marché de gauche à droite. Et même quand tu arrives à l'avoir, on n'a pas de banque au Cameroun. On a des petits usuriers qui font semblant d'être des banques. C'est pas évident. On te demande telle garantie, tel document. Tu arrives à voir peut-être parfois des attestations du jugement évocable qui demandent, mais jusque-là, il faut encore. Donc, c'est difficile, cet environnement formel. C'est vraiment difficile. On essaie de faire avec, on essaie d'avancer, mais toujours est-il qu'on a quand même beaucoup appris. Là-dedans, on a beaucoup appris. Mais fondamentalement, quelle est la leçon que vous retenez de cette phase? Je veux dire, vous venez de nous faire le récit de la rue à, j'ai failli dire, au bureau. Quelle est la leçon fondamentale que vous retenez? Je veux dire, si on s'adresse à un jeune aujourd'hui, qui pense qu'il est dans le désespoir, qui peut pas, qui a peut-être pas fait forcément des études et qui se dit dans cet environnement violent, et plus on est dans les agglomérations plus grandes, semble être de la violence, parce qu'il faut davantage travailler pour véritablement gagner son pain, vous me direz quoi? Non, pas nécessairement un jeune qui n'a pas fait ses études. Les études, ça ne veut rien dire. Nous avons des gens qui, des agrégés, mais qui, à quoi est-ce qu'ils sont utiles à la société? Qu'est-ce qu'ils produisent? Étudier, avoir quelque chose dans la tête, c'est pouvoir transformer l'environnement. Donc, c'est un peu péjoratif quand on dit n'avoir pas fait les études. Moi, je pense que tout être humain, comme j'aime souvent à m'interroger chaque jour, quand le soleil se lève et que la nuit tombe, mon résumé, est-ce que j'ai été utile à quelque chose pour cette journée? La preuve, beaucoup me verront sur votre plateau, on dit, mais voilà, il a encore l'effet quoi là-bas. Non, non, je ne me suis pas évité. J'ai discuté avec un de vos collègues, qui est un ancien collègue dans la distribution, et qui me posait la question bizarrement, mais César, qu'est-ce que tu allais faire en politique? C'est quoi? Qu'est-ce qui t'a pris? Et dans notre explication, je peux lui dire merci à Thierry Tom, pour ne pas le citer, il me dit, ah oui, je comprends. Et c'est comme ça que prend son téléphone, il vous appelle, il dit non, il y a un jeune là, il doit passer un entretien. Et justement? Et j'y suis. il faut que ce soit la volonté, le rêve, oui. En fait. Donc, en ce moment, on va se dire, mais il est dans les médias, il fait quoi? Non, j'aime partager mon expérience, c'est pour ça que je n'hésite pas. Et aujourd'hui, je suis mentor de beaucoup, certains doctorants, certains étudiants qui... Et quelquefois, soit dans une conférence, lorsque j'étais invité, qui m'aborde, et je suis ouvert. Donc, j'essaie de partager et beaucoup me prennent pour modèle. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai plus droit à l'erreur. Il y a des choses que je me suis interdit depuis que je prends un peu la parole publiquement. Je me suis donné beaucoup d'interdits. Parce que il y a des choses, peut-être que je pouvais tenter à faire rien, mais aujourd'hui, je ne peux plus. C'est très contraignant. C'est beaucoup de restrictions et il faut les respecter. Parce que vous ne pouvez pas être, pour certains, des modèles et vous vous retrouvez en train de faire du n'importe quoi. C'est compliqué, mais il faut assumer. Il faut assumer. Donc, quand on parle d'intellectuel, moi, je considère un intellectuel quelqu'un qui peut produire quelqu'un qui a une valeur ajoutée. C'est bien beau d'avoir un diplôme, mais ce diplôme,
tu ne vas pas le mettre dans la marmite et te produire la sauce. Il va falloir faire... Il y a tout un mécanisme pour pouvoir certifier le diplôme. Le diplôme est un papier. Vous n'allez pas me dire que mon meilleur mécanicien que j'ai actuellement, qui n'a pas d'expérience en tant que certification diplômée, mais qui arrive à me dépanner des pannes qui dépassent parfois des gares agrégées de certains concessionnaires, vous n'allez pas... Quel diplôme? Comment est-ce que je vais le qualifier? Mais il est expert dans son domaine. Il sait très bien le faire. Il y a un restaurant que j'aime bien manger, mais cette dame, quand elle essaie de vous faire une sauce, ben, dans aucun restaurant au monde, de tout ce que j'ai pu parcourir jusqu'à aujourd'hui, mais j'arrive toujours à saliver quand je sais que je dois aller manger chez celle-là. Donc, quel diplôme en tête? Non, il faut... je voulais apporter cette précision parce absolument, que les gens qui nous regardent, on ne devrait pas se définir absolument en termes de diplôme. Je me définis par la somme d'expérience que j'ai pu accumuler jusqu'ici, qui peut me permettre, sans avoir fait des études de communication ou aux études en communication, je peux m'exprimer devant une caméra où des milliers de personnes sont en train de me suivre. Donc c'est ça, il faut pouvoir oser. Il faut pouvoir le faire. Alors là, vous avez pratiquement entamé avec la transition, parce qu'on va passer à une autre étape de votre vie. Mm-hmm. Vous l'avez rappelé, vous avez dû entrer en politique pour des raisons spéciales. Je rappelle que, je l'ai dit à l'entrée, vous êtes militant du RDPC, je crois, dans Douala 2e, c'est ça? 3e. Douala 3e. Oui. Alors, mais qu'est-ce qui vous conduit à la politique? Je veux dire que, jeune, ambitieux, qui semble avoir quand même, sans forcément bénéficier, je veux dire, d'une attention particulière, a pu se prendre en charge, a pu donner des emplois, peut-être souvent temporaires, mais à d'autres jeunes, leur permet de trouver leur chemin. Et puis, j'ai failli dire, vous semblez laisser tout ça, vous dites, c'est quoi la politique devient l'espoir? La politique devient le canal incontournable pour progresser dans votre cheminement. Qu'est-ce qui vous amène en politique? Pourquoi la politique finalement? Politique. S'il fallait faire un chemin retour, je pense que j'aurais changé la vie. Vous ne ferez pas la politique. Vous ne ferez plus de politique, ouais, c'est à refaire. Je ne ferai plus. Pourquoi? C'est... J'étais un garçon paisible qui vivait tranquillement, qui menait sa vie. Je me suis marié avant la politique. J'ai mes petits 4 mètres avant la politique. J'ai nourrissé mes enfants avant la politique. Mais depuis que j'ai arboré une casquette politique... Vous n'y êtes pas non plus allé avec l'arme sur la tempe. Oui, je vais raconter la petite anecdote. D'accord. Pourquoi j'entre en politique? J'entre en politique parce que je suis un ancien délégué du Conseil national de la jeunesse. Ok. En 2009, lorsque le président crée le... Président de la République s'entend. Président de la République met sur pied le concept du Conseil national de la jeunesse. Il faut élire, il faut créer l'institution du Conseil national de la jeunesse. Mm-hmm. Et je fais partie de ceux qui côtoient le premier président du Conseil national de la jeunesse, qui est M. Abdourazak, par le canal d'un ami, et Eric Diaoro, qui, par ailleurs, est un ancien collègue d'une compagnie aérienne où nous étions tous recrutés comme steward. Et j'ai beaucoup de regrets, parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait faire ensemble, mais à la fin, on s'est dit que c'était l'apprentissage. Lorsque le mandat est échu de M. Abdourazak, en 2013, je décide de m'engager moi-même à la compétition pour être président du Conseil national de la jeunesse. Je pars de Douala 3e. Les téléspectateurs qui nous regardent doivent bien comprendre cette étape. L'élection du Conseil national de la jeunesse, c'est l'élection la plus compliquée au Cameroun. En termes de timing, en termes de moyens, c'est-à-dire que c'est une élection qui se passe sur un mois et demi environ. Oh, vous commencez par les arrondissements. Les 360 arrondissements du Cameroun compétissent le même jour. Les bureaux qui sont élus passent une semaine après aux 58 départements qui compétissent le même jour.
les bureaux départementaux qui sont élus passent au bureau des 10 régions. Les 10 régions, une semaine après ou une semaine et demie après, passent à l'élection nationale. Donc vous voyez le processus. Et vous arrivez donc au niveau national, les 10 régions viennent se rencontrer à Yaoundé pour choisir le président national qui va représenter les jeunes et qui va parler au nom des jeunes. En 2013, je fais donc partie de ces candidats-là. Je pars de Douala 3e pour arriver à la nationale. Après avoir franchi évidemment les étapes intermédiaires. Après avoir franchi l'arrondissement de Douala 3e, le département du Vouri, la région du littoral et la nationale au palais de Congrès à Yaoundé. Et lorsque j'arrive, une semaine avant, j'avais mon équipe, j'ai pris tout un QG. Les tractations sont faites de part et d'autre. Et on a pris radio rendez-vous avec, je pense, 3 ou 4 ministres qui je dois aller rencontrer pour me présenter. Parce que j'étais le seul candidat qui était arrivé au niveau national sans être passé par sa zone d'origine. J'aime bien à le dire. Moi, je suis originaire du centre, mais je pars du littoral. C'est-à-dire que j'ai été adopté par le littoral. Candidat du littoral. Je suis candidat du littoral. Et j'arrive à Yaoundé, je dis non, je ne vais pas les voir. Ils vont dire que c'est grâce à eux que je suis arrivé. J'irai me présenter après et vous leur présenter mon plan d'action. Erreur. Erreur. Les tractations sont faites et tout. Et on arrive au palais de Congrès ce jour-là. Je trouve mon nom au babillard. Je suis éliminé. Motif. Double nationalité. Et vous n'étiez jamais sorti le Cameroun avant? Non, j'étais sorti, mais je ne comprends pas. Non, je n'ai qu'une seule nationalité, je suis Camerounais, moi. Je n'ai pas une deuxième nationalité. Bon, lorsqu'on peut me dire que je suis éliminé parce que double nationalité, en fait, je suis courroucé. Là, à l'instant, je suis encerclé, la DGRE, la DST, monsieur, voilà. En fait, pourquoi vous ne fassiez pas du ouais. Plan, que tout se passe. Et les journalistes qui accourent de gauche à droite. Mais il fallait faire recours. Non, on passe d'abord aux élections. Le reste, là, tu vas faire le recours après. On gère après. On passe d'abord à l'élection. C'est-à-dire, c'est le matin de l'élection. C'est-à-dire, on est en train d'entrer en salle. Maintenant, on doit revoir le babillard. Le processus ne vous attend pas. Oui, le processus ne vous attend pas. Vous allez faire vos recours après, mais donc, au moins. En fait, en résumé. Le politique avait fait son choix. M. Adroussa était le président sortant. Et apparemment, on pressentait déjà. Il était question. Ça, je peux me risquer là-dessus, mais je pense que le politique avait choisi qu'il fallait que ce soit un frère du Nord ou de Sud-Ouest qui prenne la présidence. Et ça veut dire que les seuls 2 candidats retenus en tête, en liste, c'était 2 candidats du Nord-Ouest. Et le choix est fait. Ce sont ces 2-là qu'on va choisir. Le reste, quels que soient les motifs, moi, mon motif, c'était double nationalité. C'était bien vu. Hein. On passe aux élections. Mais je pense que j'ai fait une erreur, j'ai commis une erreur. Si j'étais allé me présenter, au moins auprès de ces aînés-là, parce que le président du Conseil national de la jeunesse, c'est pas n'importe qui. C'est celui-là qui parle au nom de la jeunesse camerounaise. Toutes les représentations diplomatiques vous sont ouvertes. Le monde entier vous a offert. C'est-à-dire, vous êtes quelqu'un de très sensible. Vous êtes... Mais je veux dire qu'en même temps, ça donne l'impression que on n'est définitivement pas... Je ne vais pas dire libre, mais c'est le mot qui me vient. Vous avez bien défini votre profil. Ça donne l'impression qu'un jeune parti de rien, parti de Douala, encore que Douala semble bien proche, parti de l'arrière-pays, peut pas devenir président du Conseil de la jeunesse s'il n'y a peut-être pas cette condition à remplir, alors que ça pourrait être le rêve de n'importe quel jeune de pouvoir apporter du sien pour la jeunesse camerounaise dans son ensemble, dans son entièreté. Bon, c'est ce que ça m'a laissé croire. D'accord. C'est ce que ça m'a laissé croire, mais je pense que l'erreur était le mien. Il venait de moi parce que nous sommes dans un état structuré. On ne pousse pas comme un champignon. Nous venons tous des familles, nous sommes ici des familles, nous venons de quelque part. Il est normal, quand on prétend aspirer à certains postes publics, être leader d'opinion,
tu dois être connu par ton chef du quartier, tu dois être connu par ton chef du village, tu dois être connu par ta communauté et qui a des représentants établis. Mais indépendamment de ça, tu dois être librement choisi par le par tous aussi. Je vous dis d'abord la démarche. Ouais. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand je... Ça, je fais un mea culpa. C'est-à-dire, c'était facile. Je serais allé rencontrer ces différents ministres avec lesquels on avait pris des rendez-vous, me présenter, je suis Gomon Noé César, je suis de tel village, tel, voilà, je suis arrivé au niveau national, je vais être président du Conseil national de la jeunesse, voilà mon plan d'action, et je souhaite avoir... Je dis, vous faites ce dessin aussi simplement, mais l'impression, le sentiment que les jeunes peuvent avoir également, c'est... J'ai failli des présentations conditionnées. Je veux dire qu'on va se mettre, on va se donner la merci de ceux qui, après, pourraient orienter vos décisions. D'ailleurs, toute proportion gradée. Je veux dire qu'aujourd'hui, on a le sentiment que ce Conseil national de la jeunesse, justement, est très encadré. Je ne suis pas venu parler de la national de la jeunesse, mais je voulais apporter juste préciser cette précision pour essayer d'expliquer. Absolument. Moi, ce qui est bon, les autres, je ne veux pas pouvoir porter le témoignage pour tout le monde. Ça, je fais mon témoignage absolument, à moi. Donc, je ne suis pas comptable du parcours des autres. Moi, j'ai dit ce que j'ai vécu. Et je retiens beaucoup de leçons par rapport à ce parcours. Je pense que j'ai été fautif. On ne sort pas de nulle part. Pour pouvoir être aspirant pour ces décisions ou autres, il doit avoir une traçabilité. Parce que si, en tant que président du Conseil national, tu commences à faire des déclarations à tout vent et autres, mais il sort d'où? Le Conseil national de la jeunesse est constitué des associations jeunes qui choisissent en leur sein un représentant qui part compétir avec les autres associations, qui choisissent les différentes associations qui compétissent, un bureau qui va représenter la communauté. Et ce sont ces différents bureaux qui montent au niveau département, qui viennent compétir pour choisir un bureau départemental. Et ce sont ces différents départements, bureaux départementaux qui montent à la région pour choisir le président, le bureau régional. Et ce sont ces différents bureaux régionaux qui montent à la nationale pour choisir un président national, un bureau national, avec à la tête un président. C'est bien structuré, c'est pas fait hasard. Donc on ne peut pas arriver au sommet là sans toutefois avoir une traçabilité. On peut faire tout type d'interprétation, mais je pense que c'est un parcours qui demande avoir des identifications claires et nettes. On n'y arrive pas par coup de bâton magique. Ça, c'est l'étape du conseil. Pour répondre à votre question, qu'est-ce que la transition entre la politique, justement, les affaires et la politique? Je ressors de là avec beaucoup de regrets, beaucoup d'amertume. Et un jour, je discute avec un papa à moi, il me dit, César, il faut faire la politique. Je dis, mais comment ça, papa? Il est dans sa chambre, et il prend sa carte du parti, il me présente, il me dit, tu as eu ma carte? J'ai vu. Il me dit, est-ce que tu m'as vu un meeting ou quoi que ce soit? Il y a plusieurs façons de faire la politique. Moi, on m'a choisi pour pouvoir occuper ce poste. Et je le fais discrètement, je sers la nation. Toi, tu es au Conseil national, tu es à l'Agence internationale, tu es dans tel mouvement de jeunesse, tu es à gauche, tu es à droite, tu es à l'international. Il faut faire la politique. Parole de sage. Comme qui dirait, le vieux t'a vu venir, pour parler un peu plus légèrement. Et quand on lance les renouvellements des organes de base, il faut déjà le dire en passant que je côtoyais déjà la politique dans mon enfance. J'avais mon grand-père qui était président du comité de base. Le premier gynécologue africain, c'est mon grand-père. Ok. J'ai beaucoup appris de lui parce que je sais que les gens venaient de partout. C'est des femmes qui avaient des problèmes de stérilité, autres, à coup de bâton magique. Il essaie de faire quelque chose. Et je l'ai vu un peu dans ses activités politiques. J'observais. Et jusqu'au moment où, après l'échec du Conseil national en 2013, lorsqu'on lance les renouvellements, je cours donc à Yaoundé, lui, bon voilà, est-ce que... On m'a dit que cette affaire-là, il faut un parrain. Il sourit, il me dit, César, va travailler. Va travailler. Tous ces gens qui te font croire là qu'il faut un parrain, et même chercher des postes, non. Va travailler.
seul ton travail te hissera au plus haut, si tu le veux. Et c'est comme ça que je rentre. J'essaie d'appeler certains amis au niveau national, au niveau international, pour essayer un peu de prendre leur avis. Et je pense qu'à 98%, ils sont unanimes, que oui, ça te convient, tu peux. Et au niveau national, certains posent un peu un bémol, ils me disent, bon, à la section, ce sera difficile. Hein. Ce sera difficile. Bon, c'est vrai que j'avais analysé un peu toutes les parties tout autour, je me dis, bon, je pense que c'était, parce que j'essaie de lier un peu l'idéologie du président national, je pense que c'est vrai qu'il y avait beaucoup, quand j'entendais un peu parler, disons, je pense que c'est la bataille devait se jouer de l'intérieur. Et c'est comme ça que je me plonge au renouvellement. Bien avant, je fais 31 réunions avec les différents leaders, que ce soit à Douala 3e, que ce soit en dehors. Ah, c'est dans le RDPC. Ça, c'est dans le RDPC. Mmh. Mais lorsqu'il faut choisir, faire constituer un bureau de logis, toutes ces personnes qui j'avais reçues chez moi personnellement et qui étaient rentrées, qui avaient un paquet, après avoir échangé pour leur partager mon idée et qui trouvaient que j'avais un très bon profil et que vraiment il fallait des gens comme moi. Et en passant, c'est un président des jeunes, et j'aime toujours le remercier, Alexis Bouda, le président des jeunes de Douala 3e. Pas du RDPC, c'est... Ah oui, la structuration, l'association des jeunes de Douala 3e. Il me dit, César, on a besoin d'un jeune comme toi. Il me dit vraiment, j'ai eu beaucoup de mais toi, il nous faut, tu es ici, il faut. Il avait commencé à me donner des alertes. Et je consulte d'autres jeunes. Mais quand il faut faille faire le conclave pour choisir le bureau, tous m'écartent. Malgré le bon discours, il est le seul qui me soutient et tout le monde dit non, il me soutient parce que je lui ai donné des millions. Dieu seul sait. Le pauvre. Mais tout simplement parce que l'idéologie était tellement captivée et blasée que mais s'il y a des hommes, il y a des jeunes qui raisonnent de cette façon, mais je pense qu'on pense que c'est le meilleur. Et tous ceux qui étaient venus manger, qui avaient reçu qui un présent et autres, le jour du vote, plus. Ils ont tourné le. Non, même pas le vote, c'est dit les élites. C'est dit d'abord. Dans la communauté, on ne vous laisse pas aller aux élections comme ça. Si c'est, il y a des élites dans chaque communauté, on vous appelle d'abord, faites d'abord. On veut un consensus, on ne veut pas. La dernière issue, c'est qu'on vous laisse aller aux élections. Mm-hmm. Mais l'idéal, c'est qu'il y ait un consensus parce que vous connaissez, on connaît qui peut faire quoi. Les jeunes me rejettent, les gars disent non. Celui-ci, il a donné l'argent, il a donné les millions à Bouddha. Nous, on n'a pas encore mangé. Et pourtant, certains d'entre eux, nous avions fait 31 réunions, j'ai payé 31 factures. Je n'ai vu aucun jeune. Il me dit, non, hier tu m'as offert, laisse-moi aussi, j'ouvre. Et les gars disent, non, je dois aller commencer à la base. Et pourtant, je connais bien la structuration des cellules, des comités des cellules, des comités de base, des sous-sections et autres. D'où ma détermination. Parce que quand moi j'arrivais, je me considérais comme un étouffiste, un Roger Milla qui est venu marquer des buts en politique. Ça, c'était un peu ce qui m'animait, mais je m'étais trompé. Je vais donc rencontrer toute l'adversité possible. Je crois beaucoup en Dieu, et je pense que c'est Dieu qui m'a toujours guidé et qui a toujours permis que les situations les plus difficiles tournent en ma faveur. C'est comme ça qu'un jour, je suis un peu déboussolé. J'ai le collaborateur de mon entreprise qui... Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas son numéro en tête. Chaque fois qu'il faut composer son numéro, je tape toujours son nom. J'arrive ce jour-là, on m'a déjà chassé à Bodanjo pendant une semaine. J'ai mon dossier là. Chassé, ah d'accord, vous cherchiez travail? Non, non, pour déposer la candidature, on ne veut pas me voir. On dit, on ne me connaît pas. Donc les conseils avaient été donnés, quoi. Absolument. Et j'arrive ce jour-là, je vais lui faire un message, je tape son nom. Dieu merci, je vois le nom d'un ministre que j'avais son numéro depuis très longtemps. Je dis, je vois un autre. Je commence à bombarder les messages. Parce qu'ils étaient dans la commission de ceux qui étaient chargés. Et ce message vous donne quelques briefs. Je dis, excellent, monsieur le ministre.
Je suis tel, je me présente. Et je lui dis, en réalité, je vous saisis parce que je pense et je crois que le président de la République vous envoie ici pour choisir les meilleurs. Et en ce qui concerne vous, toi, je pense être parmi les meilleurs en ce qui concerne la jeunesse. Allez sur ma page Facebook, demandez au service de renseignement et autres, ils pourront vous dire qui suis-je. Je ne suis pas un jeune à qui on ne peut pas faire confiance, peut-être je... Non, non. Je suis un jeune fiable. Mais pour cela, qu'on me laisse compétir. Bon, pour moi, je me dis, peut-être le message est un peu trop dur. Et le matin, il ne réagit. J'envoie le message autour de 23h. À 8h, je bombarde un autre message. Encore beaucoup plus agressif. Tout en insistant que le président de la République vous envoie ici pour choisir les meilleurs candidats. Et en ce qui concerne l'OGI, je pense être l'un des meilleurs. Qu'on me laisse compétir. Il ne réagit toujours pas. À 9h, j'appelle. Et quand j'appelle, il décroche. Je me présente une fois de plus. Je lui pose le problème. Je lui dis, vous envoyez deux messages, mais Excellence, vous n'avez pas réagi. Il dit, donnez-moi 2 minutes, je vous rappelle. Une minute après, il rappelle. Il me dit, trouvez-moi à la maison du parti. Et ce jour, c'est le même jour où on convoque tout vous, toi. Parce qu'il y avait 3 bureaux RDPC, 3 bureaux OF et 2 bureaux OJ. On n'avait pas encore accepté ma candidature. Moi, j'étais le seul bureau OJ qui conduisait une candidature sans OF, sans RDPC. Parce que je me disais que les élections allaient se passer comme en 2007. C'est-à-dire quand il va falloir voter l'OJ, parce qu'on donnait à chacun, je pense, 5 minutes. Et j'étais convaincu en ce qui concerne l'OJ que si on me laisse présenter mon programme, on me donne cette opportunité, j'allais grappiller de part et d'autre, et y compris ce que moi-même j'avais déjà magasiné, l'électorat que j'avais déjà derrière moi. Et quand j'arrive, il entre dans la salle, il ressort, il sort avec un des décideurs, aussi un ministre. Ils sont à l'angle là, nous sommes de l'autre côté. Tous les différents candidats des différents bureaux sont là. Je vois, ils sont en train de causer. Après, je vois, ils lèvent la tête. Je sens que c'est certainement c'est moi qui cherche. Et je vais vers eux. Nous sommes là, trois. Et il demande qu'on réceptionne ma candidature. C'est mieux que j'aille échouer devant. Qu'on ne me recale pas pour quelques raisons. Et c'est comme ça que ma candidature sort de mon épaule pour passer. Vous imaginez donc toute la salle qui est là, qui regarde, tous qui sont, parce que nous sommes de la même circonscription politique, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On vous a dit, le jeune là, vraiment, il est ceci, il est dans ceci, il est dans ceci. Vous imaginez la suite. Comme si ça ne suffisait pas, il y aura toujours des gens qui vont trouver des raisons. Bref, le plus difficile, c'est qu'à la dernière minute, je suis parmi ceux-là qui décident de constituer, qu'on demande de constituer une liste pour loger. Et là, je vais leur dire non, je vais avouer, je vais leur dire, vous connaissez mieux les différents acteurs. Et je propose aux décideurs, au lieu de me demander d'entrer dans la liste et de sacrifier le reste, il serait mieux. Nous sommes déjà 3 concurrents au niveau de logis, que nous sommes d'abord tous là, parce qu'on avait posé un problème d'âge. On disait non, on voulait utiliser maintenant l'argument de 35 ans révolu. Et moi, j'avais 35 ans, 6 mois, à l'époque, en 2015, quand on lance. Par contre, il y avait certains, parce que dans mon bureau, j'avais demandé personne ne criche. Je pense que j'avais 38 ans, le secrétaire général avait, le trésorier avait, je pense, 40 ans et autres. Par contre, quand on pose le problème d'âge, c'est toujours mes colistiers qui disent à la commission, mais vous nous dites aujourd'hui qu'on a 38 ans et autres. Il y a des gens dans l'autre liste qui avait 33 ans en 2007, comment ils peuvent avoir, comment ils peuvent avoir 34 ans en 2015? Donc c'est comme ça que le problème d'âge... L'écho est levé. Oui, et maintenant moi j'arrive à argumenter, je lui dis, bien écoutez, si nous tous on a ce problème d'âge, autant... Oui, non, et moi mon problème était même raisonnable, parce que moi je me disais, moi j'attends ces élections depuis 2 ans, depuis 2013. Uh-huh. On a reporté de 2 ans, s'il faille accorder des faveurs à certains, je pense que je devrais, parce que moi j'ai pas cliché. Mon bureau, mais moi, nous n'avons pas cliché. On va prendre d'abord ceux qui sont dans le... Absolument. Donc on ne peut pas vouloir, parce que les gars étaient entrés dans la Sissongo, c'est qui allait fabriquer et les gars, donc, bon bref, je vous épargne du reste. Donc, et c'est comme ça que j'arrive à entrer à la section. Et comme il n'est plus possible que je puisse prendre la tête en tant que président de logis, je dis ok, si je ne prends pas la tête, je prends la queue. Et c'est comme ça que j'entre comme
conseiller, deuxième conseiller à la section OJ, RDPC. Donc, et j'aime toujours l'expliquer pour qu'on comprenne comment est-ce que j'arrive en politique. Je n'arrive pas en politique parce que la tête de quelqu'un me plaît tellement. C'est par rapport à l'idéologie d'un homme qui est le président de la République. Et je commence à lire, à suivre un certain nombre d'idéologies. Je dis, ben, ici, je pense que c'est le meilleur. Et c'est comme ça que j'oriente mon choix. Alors, vous avez suivi le conseil de votre grand-père qui vous avait dit, fais la politique. Oui. Vous y êtes, vous l'avez pratiqué. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté de plus aujourd'hui? Non, elle m'a déprimé, mais je ne suis pas venu en politique pour m'enrichir. D'accord. Je suis un concepteur dans un certain nombre d'idées et auxquelles je crois fermement. Est-ce que la politique vous a quand même aidé à vous épanouir, du moins à mieux développer, à mieux partager vos idées? Elle m'a beaucoup aidé, dans le sens je me suis assagi. Okay. Je suis devenu un homme pondéré. Je ne réagis plus du tic au tac. J'ai appris à encaisser. J'ai appris à marcher même avec les pieds et demi. C'est-à-dire, vous êtes en réunion, tu sais que celui-ci, il est prêt à me donner la rata. Mais, tu manges la politique vous y oblige. Absolument. Oui. Elle m'a appris à gérer. Elle m'a appris à gagner avec loyauté. Elle m'a appris à être fidèle. Elle m'a appris à beaucoup de tempérance. Elle m'a appris à... Il y a beaucoup de qualités. Il y a beaucoup de qualités. Il y a quelques déceptions aussi, quelques blessures, quelques regrets. C'est de la politique que j'arrive à créer le concept « J'aime le Cameroun ». D'accord. C'est de la politique parce que le concept vient au Cameroun est né des frustrations politiques des milieux associatifs dont je vous ai cité tantôt. C'est comme ça que j'arrive à créer le concept J'aime le Cameroun. Parce qu'à la fin, je me dis, mais si tout est si compliqué, n'est-ce pas, je peux promouvoir une idéologie telle que je le souhaite, ou je n'aurai plus quelqu'un qui va me dire, parce que j'ai toujours pensé que la réussite d'une entreprise dépend de la motivation de ses employés. Pour qu'une entreprise réussisse, ce n'est pas parce que le patron a beaucoup d'argent. Ce n'est pas parce que le patron est milliardaire ou parce qu'on a tout le matériel ou alors la machination possible. Non. Il faille que le leader puisse impulser à chaque partie prenante que cette entreprise appartient à cet employé-là. Aujourd'hui, je pense que nous avons un gros problème dans notre société. Nous n'avons pas l'éducation politique. La politique, beaucoup, c'est dans le tas. C'est-à-dire, on la prend comme ça. On n'a pas... je pense que s'il y a un module qu'on n'aurait pas dû supprimer à l'époque dans nos amphis, c'était la science politique. Nous n'avons pas une éducation politique. C'est des choses qu'on devait m'apprendre à partir du second cycle. Parce qu'aujourd'hui, quand tu écoutes un jeune Français parler politique, un jeune Camerounais, un jeune Français te parlera d'idées, mais un jeune Camerounais te dira tel Mosgo ou tel est trop mauvais. C'est pas ça la politique. Absolument. Alors, vous faites donc, vous créez donc ce mouvement. Oui. J'aime le Cameroun. Oui. Ça date de quand? J'aime le Cameroun est né de 2016. Il y a 3 ans environ. Oui. C'est quoi le concept? C'est quoi l'idée? C'est quoi les actions? Le concept est venu du fait, dans tel que je vous ai expliqué les différentes frustrations, je me suis dit, ailleurs, il y a des places qui choisissent parler économie, ils ne font qu'économie. Il y a les places qui choisissent, vous parlez d'agriculture, vous parlez que d'agriculture. La spécialisation, ils vous parlent, ceux qui choisissent parler santé, vous parlent que de la santé et dans tous ces paramètres. Et je pense que on peut aussi créer une presse qui parle aussi de l'amour patriotique. Parce que j'en ai marre de voir tous les matins
ça ne va pas ici, ça ne va pas à gauche. On décrit ici à gauche, on décrit à droite. Ça ne nous avance pas, dit Peter. Vous imaginez un jeune qui se lève le matin, qui zappe à gauche, qui zappe à droite, c'est mauvais. On a détourné la barre, on a tué la barre, on a bouffé l'argent de telle infrastructure là-bas, on n'a pas conçu là-bas. Qu'est-ce que vous développez dans le mind de cet enfant? Quand il veut se distraire, c'est des canaux qui n'ont rien à voir avec l'éducation. Là-bas, même quand il faut chanter de la musique, quand il faut chanter ou alors quand il faut visionner certains films, je ne vais pas citer, je ne vais pas faire la mauvaise publicité de. Non, non. Dans mon pays, on arrive à voir des chaînes qui vous divisent en Monsieur Vision, des chaînes de pédophilie, d'un père qui épouse sa fille. Dans mon pays, on permet cela. Des chaînes à longueur de journée qui passent le temps à vous dire que le gouvernement n'a pas fait ci, n'a pas fait ça. On cherche que ce qui ne marche pas. Est-ce qu'on se soucie du pauvre? Vous pensez que l'immigration, là, elle est née de quoi? Un enfant qui naît, qui ne vit que dans cet environnement, tout ce qu'il reste à faire, c'est de partir. C'est de sortir. Il n'a plus peur d'affronter la mer et le désert. Il veut partir de cet environnement. Parce que de l'autre côté, qu'est-ce qu'il voit? La tour Eiffel, c'est beau et haute. Mais ce qu'on ne lui montre pas, c'est que derrière la tour Eiffel, à 50 mètres, il y a des milliers de gens qui dorment dans les cartons et des plastiques. À 50 mètres de la tour Eiffel. On ne lui a jamais montré ça. Mais ce pays a réussi à se hisser première capitale mondiale touristique. Mais nous pouvons rendre le Cameroun première capitale, nous pouvons rendre Douala première capitale touristique d'Afrique. C'est possible. Nous pouvons présenter que le bon côté aussi du Cameroun, le bon côté de Douala, le bon côté de Yaoundé, le bon côté de Bafoussam, le bon côté de Boya, le bon côté de Marwa, le bon côté de la Damawa, de Ngaoundéré. Je vous assure, député, j'ai eu la chance de parcourir les 10 régions du Cameroun, les 10 chefs-lieux. Nous avons un merveilleux pays. J'ai dit un merveilleux pays. Je me suis dit, plus jamais. À l'époque, j'étais très actif sur le numérique. Il m'est arrivé aussi de partager des choses qui ne construisaient pas. Dès lors, j'ai pris la résolution. Si je vais aller cliquer partage, ça doit être quelque chose qui instruit. Ça doit être quelque chose qui éduque. Ça doit être quelque chose dont quelqu'un, en jetant un coup d'œil ou en le disant, tirer profit et non l'inverse. C'est comme ça qu'est né le concept J'aime le Cameroun et c'est comme ça que nous avons créé le mouvement avec des volontaires et nous avons conceptualisé. Il m'arrive parfois de me réveiller, de sursauter de mon lit, je commence à écrire des choses et comme je ne suis pas un très bon littéraire, je m'entoure des collaborateurs qui peuvent bien me le mettre en forme, donner un esprit. Et c'est comme ça que nous avons commencé à monter un certain nombre de projets. Et à notre grande surprise, très agréable, ça a été, par exemple, le premier forum que nous avons lancé ici dans le littoral. Nous avons invité en 2017. À 2 ans. Nous avons pu, dans une salle, faire asseoir le gouverneur, le préfet, le délégué du gouvernement, les 6 sous-préfets, avec plus de 1000 jeunes dans une salle pour parler de l'amour de la patrie. C'était formidable, c'était du jamais vu. Et nous avons pu mettre associés dans ce panel des opérateurs économiques, des personnalités de la société civile et des personnalités lambda. C'est aussi l'originalité de nos panels. C'est-à-dire qu'on essaie un peu de faire un mélange. Nous avons pu faire déplacer le maître Lagdo qui avait été otage de la secte terroriste. Pourquoi? Qui a passé près de 18 mois en captivité, parce que j'assiste à un forum au Grand Nord, au Nord, et il fait son témoignage. Nous étions un peu plus d'une centaine de gens dans la salle. Monsieur Dipita, nous avons tous pleuré.
Et à la fin de l'échange, c'est comme ça que je vais vers lui et je sollicite, est-ce que les jeunes de Douala peuvent vivre votre témoignage en direct, monsieur le maire? Il me dit oui, pourquoi pas. Et c'est comme ça que j'initie à l'occasion de ce forum. Il a fait plus de 1000 km pour assister à ce forum, pour venir partager cette expérience. À ses frais. Il est d'abord venu une semaine en avant, logé dans un hôtel, payé à ses frais, revenu une semaine après, partager cette expérience. C'était très émouvant. Donc, moi, je pense... Et le gouverneur, je devrais relever cette difficulté-là. Quand nous initions ce projet avec mon équipe, quand je rencontre le gouverneur, il est d'accord de parrainer le projet. Mais il a une réticence. Parce que nous lui disions, nous émettons un souhait, nous disons, monsieur le gouverneur, nous souhaitons que vous soyez panéliste, vous échangez avec des jeunes. Les jeunes veulent aussi vous voir, vous écouter. Et mais le Cameroun, la thématique, nous voulons que vous présentez sur le patriotisme administratif. Parce que nous constatons qu'un document qu'un administrateur doit signer gratuitement, on prend un jeune 500 à gauche, 500 à droite. Il faut expliquer aux jeunes, c'est-à-dire le patriotisme administratif. À la fin, il se prête au jeu. Et comme ça ne suffisait pas, nous allons jusqu'à lui demander, monsieur le gouverneur, nous ne voulons pas que vous soyez en tenue d'apparat. Nous voulons vous voir simplement. Comme un jeune. Comme un jeune. Il s'est prêté au jeu. Et c'est un grand challenge. Nous sommes partis à Yaoundé, nous avons fait le même espoir. Et nous avons réussi à mettre sur le même panel. Que ce soit Aminata Ayo, Roger Mila, le PCA, l'un des plus jeunes PCA, le PCA de l'hôpital général, le président national de logis. En face, Joshua Oshie, parce qu'il nous fallait avoir deux acteurs. Parce qu'on évite que ça ait un caractère politique. Nous avons également invité la présidente des Albinos, la présidente des Petites Tailles. Donc c'est un peu comme ça que nous essayons. Nous avons également invité le directeur général des douanes, le directeur général des impôts était un peu indisponible. Enfin, c'est comme ça que nous essayons de mixer. Parce que nous voulons que ces personnes parlent aux jeunes qui parfois... N'ont pas de modèle. N'ont pas de repère non plus. Oui. Donc, c'est un peu le concept de J'aime le Cameroun. Faire la promotion du Cameroun. Parce qu'il y a, quel que soit ce qu'on veut dire, il y a des choses qui marchent. Il y a des choses qui marchent. Et si on choisit l'option que de regarder ce qui marche, moralement, pour moi, c'est un médicament. Dites-moi tout ce que vous voulez, ça ne va pas, ça ne marche pas, comme je vous ai dit tout à l'heure en introduction, j'ai essayé d'évoquer sciemment, mais aujourd'hui je reste focus que le Cameroun reste le meilleur pays au monde. Dieu seul sait combien de pays où j'ai eu la chance même d'aller rester. Mais quand je regarde mon visage spirituel, je rentre toujours chez moi, parce que je pense que le meilleur c'est ici, ça se construit ici. Ce n'est pas sur Internet, ce n'est pas sur WhatsApp, ce n'est pas sur Facebook. C'est ici, sur place, c'est balle au pied. Et pour que cela puisse être effectif, chacun de nous doit porter du sien. Doit porter du sien. Notre concept n'est tant pas à dire que ceux qui dénient le Cameroun n'aiment pas le Cameroun. Certes, ils aiment même le Cameroun, plus que nous qui prétendons, mais le concept, j'aime le Cameroun. Mais sauf que la démarche, certainement n'est pas bonne. Nous avons aujourd'hui deux régions qui sont en train de s'entre-déchirer. Le nord-ouest et le sud-ouest. Le nord-ouest et le sud-ouest. Politiquement, le problème, il est politique, qu'on le veuille ou pas. C'est la politique qui élit les présidents. C'est la politique qui nomme les ministres. C'est la politique qui nomme les DG. C'est la politique qui élit les maires. C'est la politique qui élit les députés. C'est la politique. La politique est en tout. La politique peut décider qu'à cet instant T, cette émission ne passe plus. Elle ne passe plus. La politique est en tout. Le problème du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, il est politique. Une des solutions qui me vient comme ça à l'esprit, le problème est simple. On identifie les différents acteurs, quelles que soient les différentes personnes qui financent, qui tirent les marrons dans l'ombre, mais identifier les différentes personnes. Nous avons les échéances en 2020. Mais sélectionnez. Ceux qui veulent aller au conseil municipal, qui veulent prendre les mairies, qui les prennent. Ceux qui veulent aller à la députation, sortez-les du maquis. Mais il y en a peut-être qui veulent aller à la présidence aussi. Hein? Mais on commence d'abord par là. On commence par là. On ne se lève pas, on atterrit à la présidence.
l'élection de la présidence est passée. C'est-à-dire la présidence, on parlait de la présidence dans 6 ans et demi. Pour le moment, nous avons que ces garçons qui prennent leur communauté en otage positif. Ils se déclarent qu'on leur donne la possibilité d'être des acteurs, quel que soit le bord politique. Maintenant, ce sera nous, au RDPC, d'aller faire la cour que non, venez chez nous. Chacun va essayer de faire son lobby pour que et que ces personnes présentent leur bon côté, parce qu'ils ont aussi un bon côté. Il y a une vidéo que j'ai diffusée depuis quelques jours pour montrer un peu la barbarie de... Parce que j'en avais un peu marre. Sur certains plateaux, tu es dans des débats avec certaines personnes, ils te disent comment l'armée fait ci, l'armée fait ça. Mais pourtant, les informations que moi j'ai, les enquêtes que moi j'ai sur le terrain, moi j'ai vu l'armée construire les ponts, j'ai vu l'armée soigner, j'ai vu l'armée éduquer, j'ai vu l'armée construire les écoles, j'ai vu l'armée poser un certain nombre d'actes. Mais on me parle de notre armée. Et j'essaie de balancer cette vidéo pour voir comment est-ce que ceux-là qui veulent la sécession créaient aussi des femmes avec des bébés, comment est-ce qu'on les tabassait. Ça fait mal. Mais jusque-là, ils sont récupérables. L'idéal n'est pas de tirer sur les assassinés. Les abattre, c'est la dernière hypothèse. Et je pense que notre armée est dans cette posture-là. Notre armée est dans cette posture. C'est l'idée de les éliminer, c'est la dernière option. Mais on n'a pas assez de relais pour passer le message à ces différents belligérants pour leur faire comprendre qu'il y a une main tendue de l'État. Force reste à la loi. Je peux aussi pour défendre l'État, mais je pense que aucun groupe révolutionnaire soit-il n'a gagné l'État dans aucun pays au monde. Dans aucun pays au monde. Force reste à la loi. Mais non, tout ce qu'on souhaite, c'est que le politique s'y implique à fond et qu'on fasse des propositions politiques à ces différents belligérants. Je pense qu'ils vont revenir à des bons sentiments et le problème sera réglé. Et vous dites que la démarche, c'est davantage montrer un Cameroun positif. Davantage montrer un Cameroun positif. Parce que depuis tard, nous n'avons pas un Cameroun B. Nous n'avons pas un Cameroun B. Comme vous dites qu'il n'y a pas un autre Cameroun. Quelquefois, quand tu entends des gens parler du Cameroun, surtout sur la situation actuelle, ce n'est pas le Cameroun que je connais. Ce n'est pas le Cameroun que je connais. Et nous avons un type de compatriote. Il est né à Douala, il est né à Yaoundé, il est né dans une ville quelconque. Il a eu la chance un jour, soit d'affronter la mer, le désert, il est arrivé de l'autre côté. Ou alors il est entré dans le ventre de l'oiseau, comme on dit souvent. Il a été de l'autre côté. Automatiquement, tout est mauvais là-bas. Non, il ne connaît pas le Cameroun. Il faut sillonner le Cameroun. Nous avons un très beau pays. Nous ne pouvons pas accepter. Je fais partie de ceux qui sont prêts à mourir pour ce pays-là. Et quelquefois, on m'a souvent prêté beaucoup d'intentions, à tort ou à raison. Je voudrais rappeler, j'aime toujours le dire, pourquoi j'aime le Cameroun. J'aime le Cameroun, est né, il a été mis sur pied en 2016. Ma deuxième fille, je suppose qu'elle me suit en ce moment, ma deuxième fille, elle s'appelle Cameroun Béni. Je vous donne juste les deux prénoms. Cameroun Béni, c'est le nom que porte mon enfant. Tu n'as de naissance. Elle a 13 ans. Elle aura 13 ans. Elle a 12 ans le 9 mars. Mon deuxième fils, il a 10 ans. Il s'appelle Georges L'Afrique. Voilà le nom que portent mes enfants. Afrique Cameroun. Georges L'Afrique. Donc, quand je parle du Cameroun, on me connaît sur la scène politique il y a depuis 2015. J'ai créé J'aime le Cameroun en 2016. Ma deuxième fille, Cameroun Béni, elle a 12 ans. Georges L'Afrique a 10 ans. Vous dites que ça ne date pas d'aujourd'hui, cet amour pour la patrie. Donc, et vous voulez le refléter dans votre quotidien à travers... À travers vos enfants qui sont évidemment le relais de vos jeunes.
Exact. Le Cameroun n'a rien fait de mal pour mériter ce que nous sommes en train de vivre de nos jours. Et moi, je crois aux institutions de la République. Je crois aux institutions. Et à son chef. Je ne suis pas sûr que j'aime Biya. Je ne suis pas sûr que je l'aime. Je ne suis pas sûr que j'aime M. Paul Biya. Mais je suis sûr et convaincu que je le respecte. C'est l'institution. Et c'est l'attitude que devrait avoir chaque Camerounais qui prétend avoir un esprit patriotique. Respecter l'institution. Mais quel est ce pays où on va traîner un président dans la boue comme si nous sortons tous d'une contrée, d'un village, d'une famille? J'ai un père, j'ai un parent, j'ai une mère. Mais ne viens pas t'amuser avec eux. Non. Pour eux, le fait que tu t'attaques à eux, je suis capable de tout. Je suis capable de perdre le contrôle. Quelle que soit la raison qu'on peut reprocher, ces ministres, ces DG, ces chefs qu'on vilipente, ils ont des familles. Ils ont des familles. C'est des êtres humains. Ils ne sont pas parfaits. Et tout ce qu'ils demandent, tout ce qu'un être sur terre a besoin, c'est de se sentir aimé. Aimer, là, peut transformer beaucoup de choses. Même le plus grand voleur au monde voudrait se sentir aimé. Même le plus grand meurtrier au monde veut se sentir aimé. Pour inverser la tendance. Le Cameroun veut se sentir aimé. Par ses fils. Maintenant, le parallèle, il y en a qui pourraient vous dire, nous aimons aussi le Cameroun, mais on aimerait se soigner. Nous aimons le Cameroun, on aimerait envoyer nos enfants à l'école. Nous aimons le Cameroun, on aimerait avoir un échange sur le plan économique libre, sain, serein. Nous aimons le Cameroun, on aimerait avoir des emplois, ne plus faire la moto. On aimerait ne plus faire le call box, vous êtes passé par là. On aimerait un Cameroun également pour lequel ceux que nous aimons puissent d'une façon ou d'une autre, à travers leurs orientations, leurs décisions politiques, nous le rendre. Je vais vous faire un témoignage en direct. Avant d'entrer dans ce sujet, il y a, je pense, 1h à 1h30. Il y a une belle dame, demoiselle, qui vient me voir. Elle me dit, grand frère, je sais que tu as beaucoup de relations. J'ai mon dossier. On est en train de recruter quelque part là-bas. Pardon, fais qu'on me recrute là-bas. J'ai le profil tout de suite. Je lui dis, va déposer ton dossier. Elle me dit, comment ça, moi j'ai qui là-bas? Je dis, non, va déposer ton dossier. Va, tu demandes le courrier. Si tu ne veux pas qu'on voie, tu peux écrire sur le courrier confidentiel. Va. Et toute relation que tu peux avoir, dis-leur ce que tu me dis. On va te recruter. Elle allait jusqu'à Yaoundé déposer le dossier. Elle me dit, tu suis? Je dis, non, je suis. Il n'y a pas de problème. Ce soir, avant d'entrer dans ce sujet, elle m'appelle. Elle était tout en joie. Elle me dit, elle couvre un événement. Et comme ça, elle a dû rencontrer le gouverneur de la région du littoral, à qui elle a demandé les mêmes service. Et le gouverneur a pris sa carte, lui a dit, quand se reposer, appelle-moi. Et ce soir, elle m'appelle. Elle me dit que, César, le gouverneur m'a reçu. Il m'a fait un courrier. Il a mis SOS. Il m'a demandé d'aller. Elle était toute contente comme si elle avait déjà eu son emploi. Elle me dit que, César, j'ai discuté comme ça avec le gouverneur. Elle me dit, grand frère, ce que tu me dis, tu as raison. C'est nous qui nous mettons les barrières. Deuxième exemple. Il y a un gars qui vient me voir et me dit, César, deux fois j'ai eu le concours, bon, je ne vais pas citer l'école, mais chaque fois je suis recalé à l'oral. Je lui dis, que tu es recalé, pourquoi? Il me dit, on me demande qui est mon parrain. L'année dernière, quand il vient me raconter, je lui dis, ok, la prochaine fois, quand on te pose cette question, si tu as eu l'écrit, à l'oral, on te demande qui est ton parrain.
tout ce qui va venir dans ta tête. Cible trois personnalités. Dis que c'est Paul Biya qui est ton parrain. Dis que c'est Gongo qui est ton parrain. Dis que c'est le nouveau DC Fondayolo qui est ton parrain. Quand le nom d'une élite haute placée sort dans ta tête et dis-le là, et je veux voir s'ils vont prendre le téléphone et appeler ce parrain-là. Après son passage, quelques mois après, il m'appelle, il me dit quel est son concours. Il a joué au jeu. Pourquoi nous nous mettons les barrières? Si tant est vrai que beaucoup qui accumulent 20 ans de recherche d'emploi, 10 ans de recherche d'emploi, le motif c'est que qui est ton parrain. Mais usez de votre intelligence. Même si l'idéal aurait été que cette question colle. Souvent, moi je pense, ça c'est mon avis, je n'y crois pas. Même si, je n'y crois pas. Je suis arrivé, parfois il y a des étapes, je suis à la télé, je ne peux pas tout dire. Il y a des étapes, quand j'arrive à faire le résumé, je me demande, est-ce que c'est vraiment moi César? Je vous ai raconté l'état politique. Beaucoup savent que j'ai des gens très haut placés. Mais mon gourou, mon parrain, mon Dieu, c'est mon courage. Je n'ai peur de rien. Je maîtrise les textes, peut-être pas entièrement, et j'essaie de suivre l'idéologie du comptable de cette nation, qui est le président de la République. Le 10 février 2016, il s'adresse aux jeunes. Il dit, avant le dernier paragraphe, j'invite résolument la jeunesse à prendre le destin de la nation en main avec l'encadrement des aînés. C'est lui qui parle. C'est lui le comptable du Cameroun. Il nous invite. Comment est-ce qu'on nous invite? Nous étions là, nous, au gradin, tranquillement, on applaudissait. Maintenant, on nous invite à entrer à la pelouse. Ça veut dire que les 11 entrants politiques qui doivent se jouer en 2020, là, je vais vous faire le classement, nous sommes à la télé, je vais profiter de cette antenne. Le classement des 11 entrants, là, à l'attaque, là. Vous savez, les meilleurs attaquants, les meilleurs buteurs sont ceux qui ont quand même une bonne expérience. On peut mixer un vieux, un jeune. Un vieux en milieu. On mixe les femmes, les vieux et les jeunes. On vient à la défense. On met les jeunes parce qu'ils ont la gnaque, ils ont encore la force, l'énergie pour cela. On vient en goal. On met un vieux. C'est le classement politique qui va se faire en 2011. Lors de sa prestation de serment, avant sa prestation de serment, dans son livre de profession de foi, il vient solliciter nos voix, nous, les femmes et les jeunes. Plus que par le passé, il tiendra en compte la place des femmes et des jeunes. Et lors de sa prestation de serment, à mes jeunes compatriotes, je vous ai compris. Et il conclut cette phrase en disant, le Cameroun, c'est demain, se fera avec vous. Ou ne se fera pas. Vous pouvez me donner l'exemple d'un seul mouvement de jeunes qui se met en place, ou un seul acteur politique qui répète ce discours à longueur de journée. Mais donc, et le 10 février 2019, il enfonce le clou. Le 10 février 2019, s'agressant toujours jeune, il dit, si tu veux être au conseil électoral, si tu veux être au conseil municipal, si tu veux être à l'Assemblée nationale, n'hésite pas. Dipita, le président de la République n'est pas en train de s'agresser aux jeunes du RDPC. Il s'agresse à la jeunesse camerounaise. Mais donc on pourrait dire que ça fait 37 ans qu'il le dit. Et l'une des répliques qu'on lui envoie souvent, c'est... indépendamment, tout le monde sait qu'il est, il est volontaire, hein. On le lui accorde, mais indépendamment de cette volonté, ça fait 36 ans qu'il le répète, indépendamment de cette volonté, malgré souvent ses instructions, ça fait 36 ans qu'il le répète, ses démarches, des jeunes diront qu'on n'a pas souvent l'impression que ça bouge autour de lui. Dipita, en 36 ans, ouais.
voilà un homme qui a subi au moins 6 à 7 bombes atomiques économiques. Les points d'ajustement, les dévaluations, les guerres de Boko Haram, les guerres de Sisi, pour lui seul, les dévaluations. Combien de bombes atomiques économiques ce monsieur a subi? Avec toute la volonté possible. Il faut tenir compte de ces obstacles-là. Absolument, et ça, ça pourrait faire tout un autre débat, toute une autre émission. Ça pourrait faire tout un autre débat. Les 22h30 pratiquement. Ah ouais. Je n'ai pas vu le temps passer. Ben, j'avoue que c'est avec beaucoup de plaisir quand même. Hein. Je pense que les jeunes et au-delà, ceux qui nous ont regardés ce soir ont certainement vécu ça dans leur chair, comme je l'ai vécu. Votre histoire, elle est édifiante, il faut le reconnaître. Il faut le dire. Le concept, j'aime le Cameroun aussi. Hein. Oui, voilà. Peut-être le regret, bon, je n'ai pas vu le temps passer, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. En réserve, il y en avait beaucoup. Dans tous les cas... Et ce que je veux dire... Osons, n'ayons pas peur. Nous n'avons pas une deuxième nation. Nous n'avons qu'une seule nation, c'est le Cameroun. Et nous devons œuvrer pour bâtir ce pays qui ne demande qu'une seule chose. Le chérir, l'aimer. Et le reste suivra. Pas aimer les individus, parce que les individus, on sera dessus. Mais se faire une conception soi-même que chacun aime le Cameroun à son niveau en posant des actes qui peuvent impacter le quotidien des voisins tous les jours. Comme il y a une vidéo, si je peux sortir par là, j'ai vu une vidéo où j'ai partagé largement dans les réseaux sociaux, une demoiselle arrive, il y a un bac à ordures qui est là, et jette les ordures à même le sol. Et deux gaillards se détachent, qui étaient aussi des passages, qui sont allés la chercher, de ramasser ces ordures et les mettre à la poubelle. Voilà l'attitude que chaque citoyen devrait avoir. Et c'est mon rêve que nous transformions le Cameroun. Et non qu'on laisse le Cameroun être transformé par certains dont on pense avoir l'intelligence. Parce que ces pays, il y a beaucoup à faire. Je ne voudrais pas parler des choses qui ne marchent pas, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui ne marchent pas. Mais je me suis développé à parler que de ce qui marche. Le Cameroun est un bijou. Le Cameroun est un trésor. Et j'espère. Et j'espère bien que c'est ce que les Camerounais retiendront davantage ce soir, qu'on n'a qu'un seul pays, une seule nation, une seule patrie, et qu'on doit l'aimer. On doit l'aimer. Merci César Honoré Ngomo. Merci. Et bonne continuation dans vos batailles. Hein. Merci. Dans vos... Qui heureusement en inspire, j'espère, mais aboutissent quand même à faire bouger les montagnes. Oui, peut-être sortir de là pour dire que le patriotisme... devrait être la religion la mieux partagée par tous les citoyens. Le patriotisme devrait être la religion que nous devons tous partager. Donc, mettons ce concept en marche et que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Ah, monsieur, bonsoir. J'aime le Cameroun. C'est le label de César Honoré Ngomo. Un label qu'il espère bien vendre et qu'on espère que vous achèterez certainement. Bonsoir et à la prochaine. Merde. Et tu me fais...